ne vis pas par toi-même. Cette tâche que tu as atteint, ce n'est pas tes efforts. Il y a des gens qui ont prié plus que toi qui ne sont plus vivants. Il y a des gens qui ont fait des efforts plus que toi qui ne sont plus vivants. Si tu es là, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la protection de Dieu. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Parfois, on se préoccupe tellement pour des choses qui n'en valent pas la peine. Luc 10, 38 à 41. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Il y a des gens qui s'inquiètent et s'agitent pour beaucoup de choses, mais pour rien. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Tu t'inquiètes trop pour rien. Tu t'agites trop pour rien. Tes pensées voyagent trop pour rien. Marthe était occupée à trop de choses inutiles. Inutiles. Qu'est-ce qui fait aussi que nous développions des mauvaises pensées, des pensées qui ne soient pas aimables? Ce sont les inquiétudes. On est inquiet par rapport à notre vie. Comment les choses vont se passer demain? Que vais-je manger demain? Comment vais-je me vêtir? La peur du lendemain. C'est ça aussi la source de mauvaises pensées. Dans tes pensées, choisis ce que Dieu peut apprécier. Choisis ce qui est aimable. Matthieu 6, 25, à partir du verset 25. Je sais qu'on lit beaucoup ce passage, mais écoutez ça attentivement. C'est pourquoi je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous êtes là? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au jour, au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia! Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. Dieu te connaît. Dieu est ton Père. Si moi, avec le peu que je suis, je peux prendre soin de mes enfants, je peux faire des projets pour eux. Il y a des choses que je dis, ça je donnerai à mon enfant cette année, ça je donnerai l'année prochaine. Croyez que Dieu, qui est notre Père, qui en plus de nous avoir créés, nous a sauvés par le sang de son Fils unique Jésus-Christ, il ne peut pas prendre soin de nous, il ne peut pas planifier des choses dans notre vie. Nous nous inquiétons beaucoup pour rien.
Dieu veut te dire ce matin qu'est-ce qu'il est au contrôle de cette situation. Il sait tout ce qui se passe dans ta vie. Il se lèvera au moment fixé et tu sauras qu'il ne t'a pas abandonné. La marge de manœuvre de tes ennemis, c'est lui qui permet jusque-là. Mais quand il va se lever, il va arrêter tout ça. Il te prend en charge. Il te nourrit. Est-ce que tu peux te demander comment est-ce que tu atteins cet âge-là? Est-ce que tu peux penser un seul instant les pièges desquels Dieu t'a délivré, les maladies dont tu t'as guéri, les complots auxquels tu as échappé? Est-ce que tu peux te demander? Tu ne vis pas par toi-même. Cet âge que tu as atteint, ce n'est pas tes efforts. Il y a des gens qui ont prié plus que toi qui ne sont plus vivants. Il y a des gens qui ont fait des efforts plus que toi qui ne sont plus vivants. Si tu es là, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la protection de Dieu. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Jamais les sorciers de ta famille ne seront plus forts que ce Dieu-là qui te garde. Jamais les méchants ne seront plus forts que l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu est au contrôle. Il te prend en charge. Ne t'inquiète de rien. Celui qui t'a gardé jusqu'aujourd'hui, malgré les défis, malgré les combats, malgré l'adversité, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il va te porter. Il va te prendre en charge. Et d'ailleurs, tu vas te rendre compte que malgré les combats, tu es là. Tu es là. Les combats que tu as, si on donne ça à quelqu'un d'autre, il ne pourra pas tenir. Mais pourquoi tu tiens? Parce que Dieu a mis en toi la force. Tu es plus fort que cette épreuve. Tu es plus fort que cette tentation. Dieu ne t'a pas abandonné, ma soeur. Dieu n'a pas abandonné, mon frère. Dieu est au contrôle de la situation. Il est au courant des complots qu'ils font. Il est au courant des démarches qu'ils font. Il est au courant des pièges qu'ils te tendent. Dieu est au contrôle. Ce qui est vrai, Dieu ne te livrera pas entre leurs mains. Quelqu'un dit amen. L'amour de Dieu est plus fort que la haine de tes ennemis. Dieu est avec toi. Ce que tu demandes est à sa portée. Ce que tu demandes n'est pas au-delà de la puissance de Dieu. La Bible nous a dit hier que notre Dieu, c'est lui qui règne aux cieux. C'est lui qui domine sur les royaumes des nations. Et il tient dans sa main la force et la puissance. Et nul ne peut lui résister. Aucun sorcier ne pourra arrêter Dieu. Quand Dieu va dire, maintenant c'est fini, mon enfant doit monter. Maintenant c'est fini, mon enfant doit réussir. Personne ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte. Ils agissent encore parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. L'Éternel est vivant. Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses. Loin de toi l'idée que Dieu t'a abandonné. Loin de toi l'idée que Dieu t'a délaissé. La Bible dit ceci. Une mère abandonne-t-elle son enfant qu'elle a allaité pendant 9 mois, qu'elle a porté pendant 9 mois? Quand elle le ferait, moi l'Éternel votre Dieu, je ne vous abandonnerai point. Car je vous ai gravé dans la paume de ma main. Quand les montagnes chancelleraient, alléluia, alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 54 verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Alléluia. Quand les collines chancelleraient, mon alliance de paix ne chancellera pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu va relever ces défis. Dieu va changer cette histoire. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu n'es pas en retard. Ne vis pas par rapport aux gens. Ne vis pas par rapport à ceux de ta génération. Ta vie est dans la main de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Arrête de t'inquiéter. Très bientôt tu sortiras du tunnel. Très bientôt le jour va se lever. Très bientôt on te verra là où on t'avait enlevé. Très bientôt on te verra là où Dieu t'a installé. Laisse les moqueurs se moquer de toi. Dieu va faire cesser les discours moqueurs. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Et s'il y a quelqu'un qui dit amen. Tu t'inquiètes trop pour rien. Ce combat n'est pas ton combat. Fais ce que tu peux faire.
C'est que tu ne peux pas donner ça à Dieu. Quand tu as une épreuve, ne passe pas ton temps sur un exercice que tu ne peux pas résoudre. Travaille ce que tu peux faire facilement. Et le temps qui te restera, tu vas commencer à te débrouiller pour ce que tu ne peux pas bien faire. Ne passe pas du temps sur des combats que tu ne peux pas gagner. Ces combats-là, donne-les à Dieu. Ce qui te fatigue, donne à Dieu. Ce qui t'écrase, donne à Dieu. Toi, fais ce que tu dois faire. Toi, avance avec Dieu. Toi, fais ce qui est dans ton ressort. Dieu s'occupera de ce que tu ne peux pas réaliser. Dieu combattra ta place quand tu seras en face des ennemis plus forts que toi. J'entends quelqu'un qui dit amen. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui a dit. Jésus, la chose est certaine. Tu ne vis pas par toi-même. Cette tâche que tu as atteint, ce n'est pas tes efforts. Il y a des gens qui ont prié plus que toi qui ne sont plus vivants. Il y a des gens qui ont fait des efforts plus que toi qui ne sont plus vivants. Si tu es là, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la protection de Dieu. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie.